Salut à tous! Alors, est-ce que vous vous souvenez de la dernière vidéo pêche à l'aimant qu'on a faite, donc ici, juste derrière moi? On avait trouvé un énorme moteur dans l'eau et on n'avait pas réussi à le sortir. Et donc là, on est de retour. On y est allé la semaine dernière et ça a été un échec. On a fini trempé. Ben, Thierry a fini trempé qui est avec moi. Bonjour Thierry! Salut! C'est moi qui suis trempé généralement. Oui, parce que c'est lui qui fait les erreurs, hein, souvent. Bon, je vais filmer ça. Ouais, je ne voulais pas y aller. J'avais dit d'enlever ce. Je lui avais dit d'enlever, de remonter son jean. Tu filmes mes bottes. Il n'a pas écouté, comme d'habitude. Remonter mon jean, mais c'est pas le problème que le jean soit haut, c'est le problème que la botte est trop courte. Oui, mais si tu n'avais pas ton jean, tu ne serais pas trempé. Et donc, maintenant, je suis équipé magnifiquement bien pour aller dans l'eau et pour enlever ce moteur parce que la dépollution n'a pas de prix. Donc les gars, c'est parti, c'est bien boueux parce que l'eau est montée en fait jusque sur le terre-plein. Du coup c'est bien boueux, bien dégueulasse, mais bon on a des boots, alors on s'en fout en fait. Donc le moteur, je sais plus exactement où il est, il va falloir le retrouver. Il est quelque part juste sous nos pas. Et dans chacun de nos pas. Je vais mettre la collection automne-hiver. 1975-1976. Regardez, ce style. On est vraiment là, on est là pour la Fashion Week. Si vous nous voyez, les nouveaux styles de cet automne, ils sont là, on est là. Ça va faire un carton. Bien dans les vernissages. Voilà, on n'est pas beau là. Donc let's go, c'est parti. Je vais aller dans l'eau, Thierry va me filmer. Il y a peu de chances que moi j'arrive à soulever le moteur, mais c'est histoire d'eux, puis que ça m'amuse quoi d'aller dans l'eau, c'est marrant, c'est fun et décalé. Bon, les copains, c'est parti, je vais à l'eau. Je le fais pour la commu, je le fais pour les vies. Mets tes genoux, mets-toi à genoux d'abord. Je vais m'asseoir, c'est vrai que j'ai une grosse combi. Tu peux y aller. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Ta vie est retenue à ce fil. C'est toi. C'est bien étanche. Oui, bah vaudra mieux. On prend qu'elle va à côté. J'ai un peu peur. Allez, on se lâche. Oh, c'est bon. Allez, il fallait pas moins. Oh. Par contre, mon bonhomme, là, ça a bien monté. C'est pas le meilleur moment, là. Oh là il est trop profond. Il est trop profond, faut qu'on revienne. Je suis à l'eau. On va pas le choper. Ah la vache! Il est trop profond. Oh, je croyais que j'allais. Ah non, bah remonte, on fera ça une autre fois. Ah, ça fait une pression sur le corps. Oui. Allez, grimpe. Il va falloir m'aider. Allez! Ah! Lâche pas, hein. Non, tu tombes en arrière là. Ah, bravo à Timothée qui s'est jeté à l'eau par moins 15. J'ai peur, hein. J'ai cru que j'allais. Je m'attendais pas à ça. Non mais là ça a trop monté là. Faudra qu'on vienne avec ça, mais quand il fera. Quand ça aura baissé d'ici une semaine. Ouais, c'est encore un échec. On va quand même. Oh la vache, regardez ça. Bah voilà. Ouais, c'est bah, ça, c'est le de la guerrier, terre, c'est ça. Pas grave ça. Bon ouais, c'est un échec les copains. Le problème c'est qu'on peut pas aller te chercher d'un mètre au fond avec tes bras. Ouais là c'est vraiment trop profond là. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait. Là t'avais 20, 40, 60, 80, 100, 1 mètre, 1 mètre 20. J'avais 1 mètre quoi, donc 1 mètre, ça surprend. On va essayer de le retrouver quand même, on va voir. Puis là, c'est dégueulasse, c'est plein de boue. Parce qu'en fait, l'eau, j'ai déjà raconté, il fallait écouter. On ne le trouve plus. Ouais, il va falloir revenir encore une prochaine fois. Ça fait 3 échecs, hein, du coup, c'est dur, mais c'est la vie de la pêche à l'aimant. Il n'y a pas que des réussites. C'est ce que vous ne voyez pas, parce que on a fait plusieurs tests depuis la dernière fois. Il y a eu beaucoup d'échecs, donc nous on vous montre que ce qui est beau dans la vidéo, mais nous on galère beaucoup aussi hors vidéo. Voilà, c'est la vie. Un petit mot Thierry, à ta communauté, t'as eu beaucoup de fans, beaucoup de retours sur ta dernière vidéo. Un petit mot à dire à tous tes fans. Merci pour vos encouragements. Je vais me remettre à la prière, je pense. Petit bonus, on tente juste, donc là on était là, ici, juste là, maintenant on est sur un petit pont, juste ici, et là on a fait quelques petits lancers pour essayer, voir ce que ça donnait, et on a trouvé un espèce de truc, un cadre en métal,
On sait pas trop ce que c'est. On n'arrive pas à le remonter encore. On va la voir, regardez ça. On l'approche du côté, au pire, je pourrais éventuellement y aller. Voilà, regardez ça. Allez. Allez, il peut le faire. On l'encourage, s'il vous plaît. Allez. Allez. Ah ouais, ah oui, il y a plein d'eau dedans, d'accord. Plein d'eau dégueulasse. Allez, doucement, doucement. Allez, regardez ça. Oh là là là, c'est beau. Attrape. Voilà. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir ça tout de suite. Je ne sais guère. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un morceau, un cadre, je sais pas. Et on a trouvé aussi un gros clou, de énormes clous de bateau. Vous voyez les énormes clous là de combien de 50 cm. Bon, j'exagère un peu peut-être. Mais enfin, un très gros clou de bateau. Parce que ici, bah, je vous avais expliqué la dernière fois, il y a plein de bateaux qui passent. Ouais, qui passaient. Timothée a accroché un truc. On a un peu que c'est un vélo. Non, c'est une plaque de. Parce qu'en cuisson. Fait, il y a un truc plus lourd et je sais qu'il y a un truc qui a lâché. C'est un truc de cuisson. Ah ouais. Ça se trouve, c'est une gazinière. Parce qu'il y a un truc plus. Ouais. Au fond, je l'ai senti. Ça se trouve, le reste, c'est une gazinière. On était pas parti pour faire une vidéo, finalement, bah, on trouve plein de trucs. On va essayer de ramener l'autre truc. Mais oui, il y a un truc que j'ai ramené, c'était tout là-bas, je suis allé tout doucement. Et bah j'ai ramené ça et j'ai senti qu'il y a un truc qui a lâché. Donc on trouve plein de trucs sous le pont en fait. Les gens ils doivent jeter. Ah ouais, par-dessus, ouais. Et c'est la le truc théorique, c'est peut-être une gazinière. Ouais, c'est peut-être. L'armature de la gazinière, ouais. Si c'est une gazinière. Ouais. Et c'est de le retrouver. Là-bas, putain, c'est un clou ça. L'énorme clou, regarde. Oh la vache. Regardez ça. Enfin, je sais pas si c'est un clou, mais. Bon, oh, la pose. De la mort. Okay. Oh là là, bah, on trouve plein de choses ici, dis donc. Oh, encore. Bah, c'est fou ça. Et c'est carré, on dit en plus. C'est carré. Carré. Il faut savoir les gens que les clous carrés, généralement ça vient plutôt d'une autre époque que maintenant on fait des clous ronds et avant c'était des clous carrés comme ça. Ouais, t'entends ça des choses. Et donc c'est intéressant. Alors par contre il est énorme. Bon, je sais pas si c'est un. On sait pas, mais clous carrés en tout cas, c'est plutôt forgé à la main. Il y a un truc en tout cas, on trouve deux clous, ah, ils sont pas les mêmes, c'est ça qui est assez incroyable. Mmh. Allez, dernier lancé. Dernier lancé, oh, ou pas. Ça c'est le mec qui ne finit jamais. C'est-à-dire qu'il met ou pas à la fin de chaque phrase. Il y a un truc. Surtout quand c'est dernier. Ah, en tout cas là, la corde est bien tendue. Là. Ouais, ça. Il y a un truc là, il y a un truc super. Clairement. Je tire. Ça bouge ou pas? Ouais, ça va lâcher d'un coup. Ouais, on dirait que tu le bouges puisque la corde est toujours tendue. Ouais. Il y a des bulles là-bas donc c'est long. Parce que les bulles sont à 1,50 m de la corde. Je vais l'avoir. Filme bien. Doucement, doucement, doucement. Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas, un morceau de poutrelle. Oh bah j'avais bien besoin de morceaux de ferraille comme ça moi, c'est nickel ça. Oh. Et voilà, faut jamais lâcher. Oh, oh là là, regardez ça. Je sais pas ce que c'est. Ouais mais attendez. Ce serait drôle si c'est ça. Bah sans doute, non? Oui mais là c'est rouillé hein, ça se trouve. Ah. Ça. Bon allez, ramène donc toutes ces trouvailles. Mais oui, dès qu'il y a un pont avec une petite balustrade, les gens peuvent. Je le vois avec le téléphone. Mais... Non, oui, pardon. Oui. En fait, j'ai pas encore mon CAP de caméraman. Ah bah là, c'est un caméraman amateur de venir, parce que là, je vous jure. Ah bah, je suis sous-payé. C'est ce qu'on me dit souvent. Donc, faut pas se plaindre hein, quand on prend la main-d'œuvre sous-payée. Ah, il y a encore un truc. Hein.
Bah, à mon avis, ça c'est une partie d'un truc plus gros, donc on a tous les morceaux un par un là. Ouais, allez, je soulève. Allez, je l'ai. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que. Ah, des gonds. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un gond. Waouh. La barre de fer, mais alors là, regardez ça. Ouais, bah tiens, c'est un gond ça. Qu'il y a ici. On peut faire un jeu à reconstituer et là les clous ils doivent aller là. Non, je pense pas. Non, 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 non plus. Allez, on retente, bah, tant que tu trouves des trucs. Allez, tant que je gagne, je joue. Hein. Oui, voilà. Oh, bah, ça. Allez, vas-y. Allez, c'est reparti. Je vais changer de côté, comme ça on va changer un peu la prise. On va rompre la monotonie du spectacle. Tu vas finir dans le canal, toi, là-bas, là. Bon, j'ai un peu lancé dans les bois. Ah, ça mord. Allez, ça mord, oui. Allez, ça s'arrête pas, si. Ah bah là, on va avoir la machine entière, là. Morceau par morceau. Allez. Oh là là, là. L'autre gond. Allez, mais c'est, je sais pas ce que c'est. C'est des gonds de porte. Oh là, mais regardez ça. Deuxième gond. Regardez ça. Allez, honneur à Thierry. Pour le dernier. Oh là. Détendu. On fait bouger le déhanché là. Et j'ai une main noire. Voilà, juste au bon endroit. Quand tu le sais. Parce que il fait le malin, il fait le malin. Mais moi, tout ce que j'ai retrouvé, tout ça, hein. Lui, à part foutre les aimants coincés et devoir aller dans l'eau. On a ces conneries en allant dans l'eau, en payant ma personne. Non, c'est lui, et en fait il avait coincé l'aimant et du coup il avait dû aller à la nage dans l'eau. Menteur. Ah si, si, c'est... Regarde ça là. Ah, ça tire, c'est tendu. Trop lourd. Allez, tire. Ouais, ça va lâcher, ça doit être enfoncé dans le... Dans la vente. Ah. Et la mairie du pèlerin, là, si vous entendez, mettez plus de poteaux en métal sur les bords. Et en plastique, oui. Les ponts en plastique. Voilà, ça, c'est des vrais ponts. Ouais, là. En tout cas, on a bien dépollué ce petit endroit que je vous montre. Ce petit pont, là, juste ici. Bah, on a bien dépollué toute cette partie. Là, on a tout ce qu'on a retrouvé. On va faire un petit débrief à la fin. Ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant on va tout entasser dans un endroit et dans un an par exemple, on viendra et on aura tout au ferrailleur et on verra tout ce qu'on a retiré. Voilà tout le monde, donc on va faire un petit débrief de tout ce qu'on a trouvé. C'est le petit rituel, le petit débrief de toutes nos trouvailles. Parce que alors là on est garni, là. Thierry va vous les présenter un par un. Alors, le grand gond. Il faut que tu montes comme ça. Le grand gond avec une chaussure noire. C'est un film des années 80. Donc personne n'aura la ref. Ensuite nous avons un deuxième. Le petit gond. Je l'appelle petit gond parce qu'il est plus petit que le grand gond. Et je le prouve. Toujours prouver ce qu'on montre. Voilà. Peut-être que c'était une porte entre. Mais on sait pas. Ensuite l'armature de lit pour bébé. Tout petit bébé. Brancard ou. Pas. Cadre, miroir. Ouais, miroir. Ouais. Il peut servir à monter dessus. Hop. Un ensuite, truc. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Eh bien, ça c'est un pistolet mitrailleur de l'Allemagne de l'Est. Voilà. Et ça c'est un décapsuleur à bière de géant. J'avais cru que c'était les trucs de sel de vélo. Bah, les sels. Je pense que c'est un truc de. Un truc de cuisson ouais. Ou. Et là, plein de gros clous. De gros clous du Moyen-Âge parce qu'il y a un clou carré. Hein. Je me demande si ça c'est même pas un clou carrément d'Australopithèque. Hein. Mais bon, il faudra vérifier quand même. Et c'est tout. Non. C'est tout, voilà. Donc re tout le monde, donc on est bien arrivé sur les lieux du crime. On est là. On est devant le canal. Déjà, on va essayer de première étape de retrouver. Le moteur, parce qu'on le voit pas à la surface. Et après, je vais essayer d'y aller, voir. L'eau a baissé hein, par rapport à la dernière fois.
de quand même pas mal, hein, parce que elle m'arrivait au moins jusqu'à là. La dernière fois, là, ça arrive plutôt vers là. Je suis pas allé dans l'eau, mais on a mis un bâton pour le test. Voilà, c'est la mission, parce qu'on va pas se laisser avoir. On veut ce moteur, on le laissera pas dans l'eau, ça c'est sûr. Bon, comme par hasard, tout à l'heure il fait beau et depuis qu'on arrive il pleut, alors c'est super. Ah, il pleut, il fait beau, il y a un arc-en-ciel, regardez. Ah, on a retrouvé le moteur. Mais on va pas, c'est pas la pluie qui va nous décourager. On est des bonhommes, nous on est des Bretons. Ou pas, on est des Bretons. Pas moi. C'est vrai qu'il est mal gaffé. Il pleut, on fait une petite pause. Bon, finalement on n'est pas des Bretons. Ça y est, la pluie s'est un peu arrêtée. On croit l'avoir retrouvé. Apparemment, il serait peut-être là. Ah, il est là, on l'a retrouvé. Va-t-on la voir? Faites votre prédiction dans le chat. Donc, on prend une corde. On va tirer une corde, un aimant. Moi qui vais aller dans l'eau. On a une voiture au cas où. Plus une fourche là. Donc, si on n'y arrive pas. Allez, je te tiens. J'ai déjà fait la dernière fois. Toujours moi qui fais les plans, les foutus plans là. Ah oui, je le sens, il est là. Ah oui, il est là. Il est juste là sous mes pieds. L'eau a bien baissé, hein, si on compare les images quand même. Les amis, changement de côté. C'est Thierry qui prend le. Qui va aller dans l'eau. Et moi, voilà, j'ai ma petite tenue. C'est moi qui vais tirer. J'aurais pas pu soulever le moteur à moi tout seul, ça aurait été impossible. Ah oui, là. Ah oui. Allez. Tu m'aides là. Faut pas le soulever au-dessus de ma tête. Allez, on l'a. Tu peux le faire ou pas? Tu peux le soulever ou pas? Je sais pas, je vais te dire ça. Allez. Toute ta force. C'est le soulever, oui, mais c'est le soulever. Ah non, il faut que tu m'aides là. C'est de soulever. Alors tu prends, pose cette caméra là, tu vas m'aider. Allez, on l'a. On a accroché la corde et il va soulever. C'est bon? Allez, tu m'aides. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3. Attends. Faut pas tirer tout le temps, tirer tout le temps. On tire ensemble à 3. 1, attends. Mais non, mais relâche pas. Écoute. Ah ouais. Tire en fin de course. On tire en fin de course. 1, 2, 3, tire. 1, 2, 3. Tire. Allez, tire, lâche pas. Tire, tire. Lâche pas. Tire. Allez. Pousse, pousse, pousse. Oui. Oh, c'est beau les amis, on l'a. On l'a. Il est là. On a tout fait, je sais pas si on a bien vu, ça a été cadré n'importe comment. Mais on l'a, c'est le plus important. Thierry, petite interview là, votre ressenti. Je suis mort. I'm dead. T'as tout donné, on peut fucking, l'applaudir. Fucking moteur. Bon, regardez les gens, vous avez pas honte de jeter ça là-dedans. Et c'est nous, on a dû galérer pendant des jours, on est revenu plein de fois. La casquette Puma, sans déconner. On a c'est tout. Que j'ai. Bon, moi, elle sera lavée, parce que je sais pas combien d'années elle a pas été lavée. Voici le moteur, donc. Moi aussi, j'ai tout donné. Bon, moins que Thierry, mais... J'ai dû tirer avec mon pied comme ça, me mettre d'eau et avancer. En plus, il y avait de la boue, j'avais les gants qui glissaient. Alors, on a galéré, mais on l'a. Dans les commentaires, si vous savez c'est quoi comme moteur. Vous allez nous voir le tirer de là à là. Deuxième étape. Voilà, on va laisser peser. On va le mettre dans le camtar. Il paraîtrait que les nœuds seront tout seuls sur les cordes. Oui, il paraît qu'on a eu des. Selon certaines sources, les nœuds en fait ont une vie et vivent tout seuls. Et se font des nœuds en fait. Quand tu les mets dans le sac, ils prennent leur petite vie tranquille et ils font leurs nœuds. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Hein.
Merci à tous. Thierry, on a réussi. Adieu. On se retrouve la semaine dernière, du coup, parce qu'au montage, je sais pas quand je vais gérer ça, mais vous comprendrez. Ça a été la galère, mais on a réussi, c'est ça le plus important, c'est ça qui est beau, c'est vivre la dépollution, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on se retrouve la semaine dernière. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Tingui. Donc, abonnez-vous, likez, commentez pour d'autres épisodes, pour toute cette dépollution. Je suis allé dans l'eau, je me suis sali et tout, quand même. À la prochaine, c'était Tingui et Thierry, des ruchers du canal, The End.